Severodonetsk, activement bombardée par Moscou. Cette ville de l'est de l'Ukraine est l'un des nombreux fronts sur lesquels Russes et Ukrainiens se livrent à de violents combats. Depuis plusieurs semaines, la Russie gagne du terrain, lentement mais sûrement. À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 m² sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas encore explosé. Depuis la chute de Mariupol le 21 mai, Moscou contrôle désormais tout un corridor stratégique s'étendant de la Crimée à la frontière russe. Selon les autorités ukrainiennes, 12 millions d'habitants ont quitté leur foyer, dont plus de 5 millions ont fui vers l'étranger. Selon l'OTAN, la Russie a mis en place une guerre d'usure, une stratégie de rouleau compresseur qui semble porter ses fruits. Pour inverser la tendance, les Ukrainiens comptent sur la livraison d'armes américaines promises par Joe Biden.